Zambé a pas bonabino, shalom peuple de Dieu, à tous na changu, juste na Pascal, sur commune Esika ya saute mouton na Pascal avenue Mokali au côté première station, deuxième station, première avenue, deuxième avenue Oeza avenue Moussanza numéro 14. Donc changu Oeza secoué na présence ya cellule, ya centre de réveil spirituel. Donc, où il y a un ministère, il y a foi spirituelle, et quand même, il y a papa qui a été ça. Donc, Awande, il y a un peu de alliance. Il y a un peu de alliance. Il y a un peu de papa qui a été allé ça. Donc, il y a un problème, il y a une situation difficile. Donc, la main de Dieu est là pour soulager et la main de Dieu est là pour délivrer. Donc, bah, délivrance est au salement, miracle est au salement malgré la tente aux traversées. Le pasteur reçoit chaque vendredi de 8h à 18h, chaque lundi de 14h à 18h. Mardi, rendez-vous sacré de prière avec les hommes de Dieu. Donc, montez-a et copé-la. Bah, démo, bah, zolé, là, bah, zon, regretté. Vous voyez, quoi, ça, la nini. Ou allez, ça, y est, quoi, ça, la nini, à Tchangou. Donc, présence, il y a alliance, oyo, et ça pour naïo. Vous avez un abisso, vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un pota, vous avez un mbassou, vous avez une situation compliquée. Notre Dieu, il est celui qui donne la réponse. Et vous savez, quand on est fidèle à une alliance, le Dieu de cette alliance, il est sensible. Quand on l'invoque, il réagit. Donc, na loyauté na biso na fidélité na biso o to sanango e pa ya papa na biso na nzambe na yena alliance o ya sali na nzambe tozo sambele la bato bato bazo mona miracle bato bazo bika. Donc ozo landa biso peut-être o yeba kite nzambe wana asia visiter commune oyo ya Tchangu. Donc kimba seke eza na katia ébullition zamba pambole bino zamba pambole biso eza mosali na nzambe o ya bino o golinga kamakasi révérend évangéliste Osé Walesa, les cartouches de l'Éternel. Donc nous sommes là dans la mission. Nous avons été envoyés pour une mission précise. Donc la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés dans cette commune est pour la délivrance na yo. Zamba pambole biso. Et peuple chrétien éparpillé dans le monde entier en direct na Jekam télévision. Tout le monde a qu'à notre église centre de réveil spirituel où ils ont commandité et pas Saint-Esprit et pas moi Anaïe, évangéliste Claude Kabundwale sa autobenga ka l'homme de T3, l'homme de triomphal. Aza mieux basé pour l'enko bengana ko chasser ba démon. Débité, secret y a délivrance, Eza Nini. En tout cas, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Et vous devez savoir que la délivrance, d'abord, c'est une recommandation du Seigneur. Donc, ils ont un mandat, Zambapé Sakamoutou, pour un travail selon ce que Dieu lui-même a fait et il a jugé parmi son peuple. Voilà pourquoi vous autres, à Jésus-Christ, vous tindabaye pour aller, vous trouverez un agneau attaché et il en est avec lui. C'est-à-dire, nous avons dans la situation où nous avons bloqué, Zambapé une situation où c'est pourquoi Zambapé tindaba serviteur naïe, oye aponi. Donc, nous avons reçu le mandat auprès de Dieu pour délier les gens que le diable est en train de lier. Donc, bateau Satan, Zolo Baké, Akoufa. Nous, nous sommes là pour dire que non, Akoufa, T. Moutou, Satan, Azawana, pour nous achever. Nous, nous sommes là pour apporter. Voilà pourquoi, tant que ma disciple, ma Kendaki, évidemment, ma Koutaki, Nyamawana, ma Kangaki, Yesinga. Le Seigneur qui connaît la souffrance des âmes, le Seigneur qui connaît la souffrance que tu as dans la maison quand tu es en train de me suivre, c'est celui qui a envoyé son serviteur, l'évangéliste Claude Walesa, avec les dons, la capacité et la puissance de te délier dans la singagnonso aujourd'hui. Donc pour te délivrer, il faut que tu sois celui que Dieu a choisi pour ce travail. Il faut que tu aies un nombre de consacrations, de prières, de sanctifications. Parce que quand tu chasses l'esprit impur et qu'en toi il y a l'impureté, donc ça ne te concorde pas. Il faut quand tu chasses les démons, c'est-à-dire en toi, il n'y a rien. Il n'y a que la présence de celui qui est plus que les démons. C'est ça vraiment la délivrance d'une manière bref. Zambé Nabissou, Apambole Bino. Tout kaka que tant que tu pries pour naba démon, souvent vu ba serviteur de Dieu, démon azoloba, azo répondre vu ba serviteur de Dieu. Alors na etana beaucoup maranetani. Bon, le diable c'est un enfant. La première des choses, c'est un petit enfant et qui est manipulable par la puissance de Dieu. Donc ce qu'on a la puissance yanzambe, Satan a co résisté.
ndeto tinde kakaye wana tozo tuna ye ba plan na ye na vie ya bato tozo tuna ye makambo asali na kati ya vie ya bato neti mwana muke azo dévaler ba secret nyonso. Mais il y a un problème, c'est aussi un menteur. Mais nous avons le Saint-Esprit et l'esprit de discernement. Quand les démons parlent, tozo comprendre loko ni nazo loba tango zo kosa tozo comprendre zo kosa parce que il est le père de mensonges. Mais il ne parle pas comme une habitude, il parle par la puissance du Saint-Esprit et voix d'autorité au tozo pesa yé tozo nom de Jésus loba osanani. Donc il est censé de dire toute la vérité et tout ce qu'il a fait dans la vie des enfants de Dieu. Donc yango wana ezé na bana ntabi bazo landa yo bazo nyo kwama bazo belé bazo souffrir bazo pe na procès à délivrance. Mais avant délivrance bazo signe un peu moi mot de mot maloba ya modération point di misabango vraiment que délivrance existe ka okolo bana bango ni po ibé bandi maté que délivrance ezadi. Que Dieu vous bénisse, toi qui es là en train de me suivre. Je sais que Ésaïe, dans les livres d'Ésaïe, la Bible dit quel est cet homme qui vient de Don et quel est cet homme qui vient de Bostra en vêtements rouges et en habit éclatant. Et la Bible dit il a répondu en disant je suis celui qui est promis le salut et la délivrance. C'est-à-dire, pour que tu accèdes au salut de Dieu, le Seigneur a d'abord besoin de te faire sortir dans cette situation-là. C'est impossible de celui qui n'est pas délivré de participer au salut. Parce que Christ marche avec deux choses. Il marche avec le salut, il marche aussi avec la délivrance. Mais la délivrance doit précéder le salut. Celui qui est délié, il est capable de marcher. Voilà pourquoi quand Lazare est sorti, Christ a ordonné délier-les. On l'a délié et après, Lazare a marché. Pour que tu marches avec le Seigneur, tu dois connaître la délivrance véritable. Et cette délivrance-là n'est pas dans l'huile, n'est pas dans quoi que ce soit. La délivrance est dans la parole que nous prononçons, dans les intimités avec Dieu. Il est censé, obligé de le faire parce que nous sommes à son service. C'est ça vraiment, peuple de Dieu. Évangéliste, le cartouche de l'Éternel, tout le monde a passé rébellé ou évoqué Péalé au Kouana. Il a dit qu'il m'a foutu un bloc de l'Éternel. Est-ce que c'est biblique que tous les alliés se sont sentiment là-bas? Oui, bon, nous ne sommes pas là pour mettre des coques en jambes. C'est l'œuvre de Dieu. Si c'est une révélation de la part du Seigneur, c'est bien. Mais est-ce parce que Dieu n'est pas dans les habitudes? Commencer à prendre chaque fois les gens, mettre de l'huile sur les gens, prendre des histoires comme ça. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Si c'est une révélation, nous voyons dans la Bible même Élisée. Quand on lui a parlé du pays, là où il y avait un incident, selon laquelle l'eau était amère, on a supplié Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Allons à la source. Tant qu'on a pris la source, Élisée a vu Mungwa, a tiré Katiamaï, il a prié. Et le Seigneur a intervenu. Mais toutefois dans la Bible, on n'a pas vu quelque part là où Élisée a répété ces mêmes histoires. Le Saint-Esprit, quand il vient dans l'homme, il donne la diversité de ce que Dieu est capable de faire. Mais si Dieu reste dans des systèmes, si Dieu reste dans les habitudes, là ce n'est pas Dieu. Oh, il y a qu'à son mamaï, tout son bestote que l'on maï, il y a qu'à salaboué, tout que l'on l'okoboué. Non, le Seigneur est dans la parole. Amen. Et la parole doit se diversifier dans tout ce que Dieu est capable de faire. Il doit le faire au moyen de la parole. Ce qui est la révélation, pasteur, il y a un révélé que pour la maman Oyo, pas coller ma fouta. Oui, coller ma fouta parce que c'est une révélation. Ils ont été que comment sur ma maman, ou pas coller ma maman fouta dans ma boumou, pas coller Oyo, pas coller Oyo. Ils ont délivrance. Lobi boya, pas coller bango ma fouta, lobi kuna boya, ou te keli bango maï. Non, le Seigneur ne peut pas se stationner sur un même endroit. Il est le Dieu de la diversité. Nous voyons même les tabernacles. Les tabernacles, c'était un endroit qui renfermait d'une manière générale la présence de Dieu. Mais dans les tabernacles, il n'y avait pas seulement un seul ustensile. Il y avait plusieurs ustensiles dans les tabernacles. Il y avait l'autel de parfum, il y avait l'autel de l'holocauste, il y avait la cuve d'argent dans laquelle les sacrificateurs se lavaient pour se purifier. Il y avait la table là où on pouvait manger les pains de proposition, il y avait les chandeliers. Tous ces ustensiles-là diversifiaient les manières, les civilités de Dieu, la façon d'agir de Dieu. Et ça, l'interprétation prophétique dans la Bible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter Dieu là où il y a la présence de Dieu. Le Seigneur se diversifie dans des différentes façons. C'est-à-dire, Nzambe n'a pas seulement le Dieu de l'huile. Non, il n'est pas seulement le Dieu de l'huile.
Il est aussi le Dieu de la parole. Quand toi tu appliques l'huile, papa, là son condamnauté, continue dans cette œuvre-là, mais que ce soit une révélation. Mais écoutez, la révélation a le centre. Le centre de la révélation, c'est Jésus-Christ. Pour qu'une révélation soit réellement une révélation, il faut que Christ soit le centre de cette révélation-là. Merci papa, tout le monde qui ça entre. Maintenant, il y a des enfants de Bajolandayo, Bazak vraiment brisé. Naba maladie tout ni sabango. Est-ce que au coup ça va prier mon rote sukoyo parce bazali mon pendant ben nawa ko sala po asimba mitema na bango bikapé pe si bon on adresse na suka ya espace auto. Oui, notre Dieu qui n'est pas limité, le Dieu de Walé ça mon père. Là où tu as un problème que je ne connais pas, mais celui qui est à moi connaît ce problème. Laisse que ce Dieu là s'occupe de vous partout où vous nous suivez dans tes maisons. Que la main de Dieu passe partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la grâce des délivrances, la faveur de Dieu vous couvre partout où vous nous suivez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, il est puissant. Il est celui qui descendait à la montagne avec des tonnerres. Il est aussi l'agneau. Laisse que la paix de Dieu entre dans votre maison. Laisse que le soulagement, laisse que la délivrance, laisse que les choses se passent autrement. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec foi. Amen. Amen. Samba Pambole Bino, na zo bandela pona kolobake toza na Pascal, na route Mokali, Yebani, na Tchangu, na route Mokali, deuxième station, avenue Mosanza, numéro 14. Donc, Boya. Nazo Yamba, Navami Kolona Lobiwana, vendredi de 8h à 18h, lundi de 14h à 18h. Donc, on zamba papa Nangazo Sala. Donc, ils ont ma kambo moussou Oyo, Nandenge Nabiso, Toye, tout kala koye bangote, na parcours, ya moussala na zambé Oyo. Mais nakati ya alliance Oyo, il y a des choses spéciales, il y a des choses qui nous étonnent même nous-mêmes. Il y a des choses qui dépassent même notre entendement, des choses qu'on n'a jamais vues. Ces choses-là qui sont liées à l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur, l'évangéliste Claude Walesa, mon père, que je salue vraiment. Longue vie à toi, papa, pour cette grâce, pour cette impactation. Aujourd'hui, nous faisons des choses avec l'alliance de notre père. Zambé Abumba, papa Nabiso, pour la grandeur, malgré que. Je vais dire quelque chose. À une grande étoile, un grand combat. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui a appelé Walesa, ce n'est pas un homme. Celui qui a appelé Walesa, il s'occupera de sa sécurité. Zamba Bombaye, Abomba Maman Angèle, Nabo Pesapé, Président Nangaï, vraiment papa, Van Walesa, c'est pour moi un père. Zamba Bombaye, Zamba Batelaye, parce que la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a vus à côté de lui en train d'œuvrer efficacement. Au moyen de la confiance qu'il nous avait donnée des Zambé à Salike. Nous avons responsable, il y a Célil Mounene, il y a Batwe Bele, responsable. Donc, Zambé Nabiso, il prend dans la vallée, il dépose à la montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen.